Salut l'équipe, c'est Tonu Collect, comment vous allez aujourd'hui? Cette semaine, on se retrouve avec un nouvel OPV, Opening Pokémon du vendredi. On en a l'épisode 48, OPV 48. Et aujourd'hui, on va continuer la découverte du nouveau set Couronne Stellaire. J'ai récupéré chez le partenaire, comme je vous avais dit la semaine dernière, quelques tripacks. Cette semaine, on va s'en ouvrir deux. Ça nous fera 6 boosters Couronne Stellaire. Et il me restait également une petite bundle de 6 boosters de Fable Nébuleuse. Que je vais en profiter du coup pour ouvrir aujourd'hui. Ça nous fera 6 et 6, 12 boosters. On espère du lourd. Avant que la vidéo elle commence, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton s'abonner et d'activer la petite cloche. C'est le meilleur soutien que vous pouvez faire sur la chaîne. Continuez de liker les vidéos qui vous plaisent, de les commenter, de les partager également. Je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui arrive sur la chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux, ça fait plaisir de vous voir ici. En tout cas, on va pas perdre plus de temps. Je déballe du coup les deux tripacks et le petit bundle et on est parti pour l'opening. 12 boosters, let's go. Une fois tout déballé, on se retrouve avec nos 6 boosters Couronne Stellaire issus des deux tripacks. On a du coup les deux promos, la petite Latias en Cosmo Holo et pareil pour le Forgelina. Magnifique le Forgelina. Je rappelle, hein, c'est ma famille préférée d'Écarlate et Violet. Franchement, je le trouve ultra stylé Forgelina et même toute la famille, je le surkiffe. Les deux petits codes pour vous des deux tripacks. Et notre bundle de 6 boosters de Fable Nébuleuse. Du coup, on a un art set complet de boosters en plus. 6 boosters. On va commencer par Fable Nébuleuse et on finira avec le nouveau set Couronne Stellaire. Allez, on commence du coup avec les 6 boosters Fable Nébuleuse. Il ne manque plus qu'une seule reverse, où c'est la ténacité de Nikolai. C'est une carte dresseur, c'est la seule reverse qui manque. Sinon, tout le set, je l'ai au complet. Et pour les secrets, il me manque une full art. Il manque 2-3 R, mais mes goals, c'est vraiment ce que je veux en priorité, c'est les deux Cassiopées. Hein. Que ce soit sa Full Art Dresseur ou l'alternative, j'ai chopé aucune des deux Cassiopées, alors que j'ai ouvert beaucoup de boosters. On enlève la petite énergie, pas d'énergie reverse pour le set, et on est parti. Allez, on veut un First Pack Magic pour la vidéo. Charibari, Nosferapti, Evoli, le petit Hippocéan, c'est la dernière Full Art qui me manque d'ailleurs. Le Hippocéan, non, c'est le Hipporoi. C'est Hipporoi qui me manque en Full Art. Le petit Archéduc, Académie de Nuit, Kyurem, pas d'objet high-tech, magnifique, un petit Nymphali en reverse. Allez, faut que ça amène de la chance. Sur la carte de Cassiopée en alternative, genre on a la Cassiopée qui est toute là, et il y a un petit Nymphali sur le côté. Est-ce que ça l'amène? Non, pas d'ailleurs non plus. Le Tranchodon, est-ce qu'on va avoir un petit? Oui, First Pack Magic, l'art secret de Janine. Excellent, Foulard Dresseur en premier booster, c'est énervé. Et il me semble pas l'avoir sorti celle-là. Ça c'est lourd ça, First Pack bien magique là. Let's go, let's go. Pas de défaut quoi que ce soit, de toute façon elle va aller dans le binder des dresseurs. Let's go, First Pack magique. Allez, on est parti avec le deuxième booster Fable Nébuleuse à l'effigie de Felicanis. On a eu un joli First Pack magique avec une Foulard Dresseur. J'espérais Cassiopée, mais clairement, je vais pas me plaindre. C'est une Full Art Trainer que je n'avais toujours pas. Donc, on prend. Hop. Deuxième booster. Faut qu'on continue sur la lancée, là. Là, la machine, elle a enclenché dès le premier booster. Faut continuer comme ça. J'avais déjà ouvert un bundle comme ça. C'était pendant le Z-Event, où j'avais eu que deux petites sur les 6 boosters. Là, on espère du mieux. La petite Energio. Et on est parti avec le deuxième booster. Allez, on veut un autre booster magique, s'il vous plaît. Skelenox, Charibari, Sepiatop. Statitik, Air Secret Janine que je viens d'avoir en Full Art Dresseur. La petite Mythe de Fer, Rampel, première reverse Nounourson, pas d'air, deuxième reverse Hippotrempe, et non, ça va être une holo pour finir, la petite Cresselia. C'est pas grave, on a eu un First Pack Magic, on peut avoir un deuxième booster pourri. Allez, on est parti avec le troisième booster. Troisième booster Fable Nébuleuse. Je rappelle, on en a 6 à ouvrir sur ce bundle. On espère au moins 2 hits, mais j'espère en avoir 3. Au moins, ça fera un hit tous les deux boosters. 2 hits, ça me paraît peu quand même pour un bundle. La petite énergie feu, et on est parti. Allez, on veut un troisième booster magique. Cradopo, Nosferalto, Persian, Terraclope, Sivir Nocturne, Hypnomade, Tenacité Nikolai. Je la veux en reverse, celle-là. Me la donnez pas en régular, je la veux en reverse. Premier reverse, Sablier du Pouvoir. Pas d'air, le petit Coatox en reverse. Et on n'aura pas de hit sur ce booster. Troisième booster pourri également. Allez, quatrième booster. Quatrième booster, vous connaissez la chanson comme d'habitude. Quatrième booster, le Genkidama.
On veut toute la chance possible sur ce booster là. On a eu un first pack magic. On veut un quatrième booster magique. Comme ça, ça clôturera bien ce bundle. Il nous restera deux boosters après. La petite énergie de combat. Allez, s'il vous plaît, on veut un quatrième booster magique, là. On veut que le Genkidama y paye. Soporifique, Hippotrempe, Nosferalto, Coupe-Note, Cassiopée, Megavolt, Académie de Nuit, pas d'objet high-tech, le petit Nosferalto. Allez, une AR. Oui, il y a une AR, c'est beau, ça. Allez, donne-nous du lourd, s'il te plaît. Le Félicanis. Ah, il me manque Fortusimia en AR. J'ai déjà Félicanis et j'ai déjà l'oiseau, je me souviens plus de son nom. Aïe aïe aïe, bon ça fait plaisir, c'est une AR, c'est cool. C'est pas un booster vide, c'est un Genkidama qui paye bien comme il faut. Est-ce qu'on va avoir un double hit? Non, le petit Noctinoir en holo. Mais le Genkidama il paye, ça fait plaisir. Je vais pas me plaindre, clairement, même si on l'a déjà, je ne vais pas me plaindre. Let's go, quatrième booster magique. On enchaîne avec le cinquième booster. On a eu un first pack magique, on a eu un quatrième booster magique. Là, ce bundle, je l'aime bien, je l'aime bien. Il faudrait qu'il y ait encore un petit qui tombe et clairement ce serait je pourrais pas demander mieux hein. Ça ferait un hit tous les deux boosters sur un bundle. On prendrait tous les jours la petite énergie psy. On n'a pas eu une seule énergie en reverse hein, quand même sur le bundle pour l'instant. Brindibou, Coupe-Note, Zoroa, Eflèche, Yveltal, Genesect, le joli Nymphalie, première reverse, Soporifique. Est-ce qu'on va avoir une air back-to-back? Non, on va pas demander la lune. Le petit Megavolt, est-ce qu'on va avoir un titre? Oui, oui! 3 hits dans le bundle, hein, c'est lourd ça! Qu'est-ce que ça va être? Le petit Félicanis. Bah après, l'AR qu'on a fait tomber juste avant, on a son ex-régular. Let's go! Là, on est à 3 hits en 5 boosters sur le bundle, ça fait plaisir! On est parti avec le 6ème et dernier booster du bundle. Là, je peux rien demander de plus. On a eu 3 hits en 5 boosters. C'est normal qu'on ait rien là, on a une foulard dresseur, on a eu une AR, on a eu une ex-régular. Clairement là, s'il y a quelque chose, c'est bonus de ouf. Hein. Déjà, 3 hits en 6 boosters, le ratio il serait plus que là. Bah, la première petite énergie en reverse. Allez, est-ce qu'on va avoir un last pack magic? Ce serait ouf. Si on a 4 hits en 6 boosters, c'est dinguerie là. Farfuret, Coiffarel et Flèche. Absol, Kyurem, Civière. Le petit Archiduc. C'est ouf! C'est ouf! Même si on a déjà les objets high-tech, ça va nous faire notre quatrième hit en 6 boosters. Let's go! La zone de neutralisation. Let's go! Qu'est-ce que vous voulez que je demande de plus, là? 4 hits en 6 boosters. Ça, c'est un bundle magique. Le petit Zoroa et le petit Tranchodon en holo. Mais let's go! On aura eu un peu de tout. Foulard dresseur, AR, ex-régular et objets high-tech. Ça, c'est du bundle qui paye. Bon bah voilà pour le bundle, on aura eu 6 boosters plutôt sympathiques, même généreux j'ai envie de dire, on aura eu 4 beaux hits en 6 boosters, j'espère avoir autant de chance du coup avec Couronne Stellaire. On est parti avec 2 tripacks, le tripack Forgelina et le tripack Latias, je veux du lourd là. Allez, premier booster Couronne Stellaire, c'est maintenant, je rappelle mes goals c'est le Carapuce et le Bulbizarre en AR. Et sinon, bah, comme d'habitude, ça va être les foulards dresseurs et les foulards dresseurs alternatives. Clairement, si je peux avoir ça sans avoir à les acheter, je prends. Booster qui est galère à ouvrir, là. Allez, on va en faire ce pack magic. Si je galère à l'ouvrir, peut-être que ça va m'amener du lourd. Le petit code pour vous. On enlève l'énergie en Terra Crystal. Et c'est parti. Allez, on veut un first pack magic sur Couronne Stellaire. Écaillon, Brasilion, Meltan, Carapagos, Délestin, Élécable, Azumarill. Il y a des objets high-tech aussi, il me semble, dans ce set-là. J'en ai toujours pas fait tomber. Tournicoton, Padaer, le petit Lapiro. Allez, first pack magic. Et non, ce sera le petit Angoliath en holo qu'on a déjà fait tomber la semaine dernière dans le TB. On commence avec du doublon, first pack pourri. On est parti avec le deuxième booster de ce premier tripack. À l'effigie, c'est qui? C'est Pyrobut en Terra Crystal. Allez, on veut un peu plus de chance que le premier booster. Le premier booster, il était pas foufou. Faut que ça se réveille. Hey, galère à s'ouvrir, hein, ce booster. J'arrive plus à ouvrir le booster que le plastique qu'il y a à l'intérieur. Allez, donne-moi du lourd, là. Si je galère à t'ouvrir, je veux du lourd. On a eu un first pack pourri. On veut un deuxième booster magique.
le petit code. On enlève l'énergie. Energio. Allez, c'est maintenant. Carapagos, Chaffreux, Chaglam. Chaffreux, Chaglam qui arrivent souvent ensemble. Hein. J'en ai ouvert dans le TB. À chaque fois que j'ai eu l'un, j'ai eu l'autre. Hein. Crémy, Lucanon, Becoco. Le petit ossatueur. Pas d'objet high-tech, ce sera Riolu. Alinaire, ah oh là là, pas d'air, le petit Charbonbin, Charbonbin que j'avais pas fait tomber encore. J'aime beaucoup l'illustration, elle est vachement bien travaillée. Allez, est-ce qu'on va avoir notre premier hit? Et non, encore une holo. Le petit Vasilis, deuxième booster pourri. Là, le premier tripack, il paye pas, hein. Allez, on est parti avec le dernier booster de ce premier tripack. À l'effigie de Loclas en Terra Crystal. Là, faut que ça tombe, hein. Là, pour l'instant, deux boosters pourris. Là, le tripack, il régale pas du tout, hein. Bon, on va ouvrir à l'ancienne, on va faire le petit truc là, ça ne veut pas non plus, est-ce que par derrière ça veut, ouais. Ah, ces boosters là, ces couronnes stellaires, ils ont renforcé la solidité. Depuis le début d'Écarlate et Violet, les boosters, ils étaient simples à ouvrir. Là, je galère. Allez, ouvre fort, voilà. Le petit code pour vous, l'énergie Terra Crystal, ce sera la feu. Allez. On veut un troisième booster magique, là. On veut un Aspect Magic sur ce tripack, là. Après, on entame le deuxième. Motis Mylis, Coxie, Grenousse. Ramolos, Malamandre, Flambusa. Le petit Crabominable. Première reverse, Motis Mylis. Allez, une air pour bien finir ce tripack. Oh là là, ça ne veut pas. La petite Tarot. Tarot qui a une magnifique alternative en Full Art Dresser que j'aimerais bien choper. Allez, s'il te plaît. Oui, un petit hit quand même. Le booster, enfin le tripack ne sera pas vide. Le petit briochien que je n'avais toujours pas fait tomber. De toute façon, là, sur Couronne Stellaire, les seuls hits que j'ai eu la semaine dernière dans le TB, j'ai eu une gold, la plus moche. C'est l'armulette. Il me manque la... C'est quoi? C'est une zone de je sais pas quoi et le Terrapagos en gold. Et j'ai fait tomber deux eggs, c'était le Lucario et le Florizarre. Donc j'ai tout à faire tomber là. Le petit briochien pour finir ce premier tripack, ça fait plaisir. Allez, on est parti avec le deuxième tripack, en espérant qu'il soit bien plus joli que le premier. Le premier tripack, on a juste une petite ex régulière, c'est pas foufou. Une ex à 2 balles dans un tripack à 18 balles, ça fait un peu mal. Là, on veut du mieux. Hop, allez, toujours autant galère, là. C'est ouf, là, qu'il soit aussi galère à ouvrir. Je sais pas si vous, ça le fait aussi, là, sur vos tripacks. Mais vraiment, je sais pas. Première fois que ça me fait ça sur Écarlate et Violet. Le petit code, on enlève l'énergie, et on est parti. Allez, donne-moi une air, là. On n'a toujours pas fait tomber d'air. Ce serait le moment. On n'a toujours pas fait tomber de Full Art Dresser non plus. Tout à fait. Tritox, Chrysapil, Pandespiègle, Tarot, Mewtwo. Mewtwo, je répète, j'avais fait tomber la semaine dernière, mais la mettre en Unco, c'est un sacrilège. Elle a même pas le droit à une rare ou une holo ou quoi. Mewtwo en Unco, ça fait mal quand même. Le petit combo. Pas d'objet high-tech, Terra Cruel, allez une air. Ah là là, les airs ne veulent pas venir. Chrysapil. Et pas de hit, le petit Rhinastock. First pack pourri sur ce dernier tripack. Allez, deuxième booster de ce dernier tripack. Toujours à l'effigie de Terrapagos. Faut que ça sorte là. Clairement, faut que ça sorte. Ou au moins qu'on ait un last pack magic de dingue. Parce que là, deux tripacks, c'est les premiers tripacks que j'ouvre là sur Couronne Stellaire. C'est pas foufou, c'est pas fifou. Là, j'ai peu de goals sur le set, ça me ferait plaisir qu'il tombe, quoi. Chrysapil, Pandespiègle, Chaglam, le petit Cléopsytra. On n'aura pas eu Chaffreux Chaglam ensemble. Cléopsytra, Reshiram. Putain, ils ont même mis Reshiram en Unco. C'est ouf, des Pokémon légendaires en Unco, quoi. Azumarill, Bria, c'est la deuxième dresseur ou pareil. Comme Tarot, Bria, elle a une full art alternative. C'est les deux seuls full art alternatifs que je veux. C'est les deux seuls full art façon du set. Pas d'objet high tech, le petit vert pomme. Allez, une air. Oh là là, les airs ne veulent pas venir sur ce set. Elles vont arriver, mais bien tardivement. Fourbelin, est-ce qu'on va avoir un petit? Et non. Le petit Melmetal en holo. Deuxième booster pourri. Allez, on est parti avec le dernier booster de la vidéo. On veut un last pack magic, on n'en a toujours pas fait. Genkidama, là, sur les boosters couronne stellaire. On n'a pas eu grand chose, là, en 5 boosters, on a eu qu'une petite ex, le petit briochien. Clairement, ça fait mal, hein. Deux tripacks, on va dire, il y en a pour un peu plus de 30 balles.
on espère mieux que ça, quoi. Une ex, ça fait, ouais, ça fait bobo, ça fait bobo. J'espère que vous, vous avez eu plus de chance, hein, dans vos ouvertures. D'ailleurs, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein. Dites-moi, selon l'item que vous avez eu, ce que vous avez réussi à paquer. Que je vois un peu les items où il y a le plus de chance, entre guillemets. On enlève le petit code. On enlève la petite énergie. Allez, on veut un last pack magic. Je veux un Genki Dama qui paye. On n'a pas eu de hit pour l'instant sur ce dernier tripack. Faut que ça tombe. On veut pas un tripack vide. Bumata, Tic, Reshiram, Azumarill, la petite Bria. Pas d'objet high-tech, Krabaga. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Une air, une air, une air. Ah, j'espérais tellement l'air, j'espérais tellement l'air. On a eu un bundle de folie sur Fable Nébuleuse. Bah, les tripacks, ils enlèvent la chute. Hein. C'est clairement bof bof. Hein. Et on va avoir un tripack vide. Torgamore, j'y crois pas. Si Booster Couronne Stellaire, on n'aura eu qu'un seul hit. L'Aspack pack pourri, là. En résumé, pour les deux tripacks Couronne Stellaire de Latias et Forgelina, on aura fait tomber qu'un seul hit, le Briochien. Un hit en 6 boosters, en 2 tripacks différents, ça fait mal aux fesses, hein, clairement. Mais heureusement, on a eu une belle bundle. On a ouvert une bundle, un bundle Fable Nébuleuse. 6 boosters, on aura eu 4 hits. Le petit Félicanis en ex-régular. Le petit objet high-tech, zone de neutralisation. Cette magnifique air de Félicanis, que j'avais déjà, mais c'est pas grave. Toujours plaisant de faire tomber une air. En plus, elle est tombée au 4ème booster. Et notre first pack magic. Une magnifique foulard dresseur que je n'avais toujours pas. Art secret Janine. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Le bundle, il sauve les meubles. Hein. Les deux tripacks, ils étaient bien pourris. Hein. Et voilà l'équipe, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette OPV48 vous aura plu. On aura bien commencé la vidéo avec un bundle plutôt sympa. 4 hits en 6 boosters, ça nous aura régalé. On aura eu de belles choses. Mais deux tripacks couronne stellaire pour finir qui auront été exécrables. Clairement, une petite ex en 6 boosters, ça fait mal aux fesses. Je vous souhaite clairement pas ça à vous, j'espère que vous avez eu du lourd. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel OPV, ce sera l'OPV 49. On ouvrira 4 tripacks couronne stellaire, c'est les derniers tripacks que je vais ouvrir. Comme ça, ça nous fera 12 boosters de ce nouveau set. Et bah, j'espère qu'on aura plus de lourd qu'aujourd'hui parce que clairement aujourd'hui c'était bien vide. En tout cas d'ici là, passez un bon week-end, passez une bonne semaine et du coup nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel OPV. Allez, ciao l'équipe, portez-vous bien.